Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on va poursuivre notre série, je devrais même dire notre saga consacrée aux gaufres belges avec les gaufres de Bruxelles. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous vous souvenez très certainement qu'on a déjà réalisé ensemble, il y a quelques semaines, la recette des véritables gaufres de Liège. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la recette en cliquant directement ici. Alors la question qui revient tout le temps, quelle est la meilleure des gaufres entre gaufres de Liège et gaufres de Bruxelles? Eh bien selon moi, la question elle n'a pas de sens parce que ce sont deux gaufres qui sont totalement différentes. La gaufre de Liège, c'est plutôt une gaufre qu'on va manger en encas, au goûter, au petit déjeuner. Elle est beaucoup plus copieuse. La gaufre de Liège se suffit d'ailleurs tout à fait à elle-même. La gaufre de Bruxelles, ben, elle est totalement différente. Ce n'est pas une gaufre qu'on va manger juste comme ça, c'est plutôt un support. On va la manger avec un petit peu de sucre glace, avec des fruits frais, avec du chocolat, avec de la chantilly. C'est une gaufre qui est extrêmement croustillante à l'extérieur et on va l'utiliser principalement en dessert. Petite anecdote croustillante, si vous venez de France et que vous voulez passer incognito en Belgique, vous venez à Bruxelles, vous commandez une gaufre, surtout ne commandez pas une gaufre bruxelloise. On saura tout de suite que vous venez de France. Vous devez commander uniquement la gaufre de Bruxelles. Pareil pour la gaufre de Liège. Voilà pour les anecdotes. Avant de commencer la recette, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et qu'est-ce que ça motive pour les vidéos suivantes. Et bien voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer les gaufres de Bruxelles. C'est parti! Dans un saladier, je verse la farine tamisée. Alors ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous placerai la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. J'y ajoute le mélange des sucres, la pincée de sel. On va déjà homogénéiser cette préparation. J'ai délayé la levure dans un peu de lait tiède. Je vais verser ici le restant de lait. On incorpore également le jaune d'œuf. On va déjà un peu fouetter cette préparation. Je verse ensuite la levure délayée. Et je termine avec le beurre fondu et refroidi. Attention, donc le beurre doit être refroidi, sinon vous risquez de faire cuire vos œufs. Parfois dans la recette des gaufres de Bruxelles, on remplace le lait par de la bière. Moi personnellement, je ne suis pas fan. Et à partir du moment où les gaufres sont destinées aux enfants, c'est peut-être pas non plus l'idéal d'y mettre de la bière. Mais enfin, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez également retirer le sucre vanillé et ne mettre que du sucre semoule. Maintenant, le sucre vanillé, ça apporte un petit plus. Moi j'aime bien, mais là de nouveau, c'est vous qui voyez. Alors la particularité des gaufres de Bruxelles, c'est que les blancs d'œufs sont ajoutés en neige. Ça permet d'avoir une pâte beaucoup plus aérée. On va donc tout simplement monter les blancs en neige, comme pour faire une meringue. Voilà, les blancs sont bien montés. On va maintenant les incorporer à la préparation précédente délicatement à la marise pour éviter de les faire retomber. N'utilisez surtout jamais un fouet pour incorporer les blancs d'œufs. Là, c'est d'office la garantie que vos blancs vont retomber. Voilà, la pâte est prête. On va maintenant la laisser reposer pendant au moins une heure à température ambiante. Filmez votre récipient. Voilà, après avoir passé 2 heures à température ambiante, la pâte, je pense, on le voit, elle est bien poussée. On va maintenant pouvoir procéder à la cuisson. Si vous voulez absolument avoir des gaufres de Bruxelles parfaitement rectangulaires, ce que je comprends très bien, c'est très esthétique, disposez une bonne dose de pâte dans le gaufrier. Alors moi, le truc que j'utilise, c'est tout simple. J'étale la pâte avec une petite spatule coudée. Ça marche très bien. Vous êtes certain d'avoir de la pâte dans tous les trous. N'oubliez pas de retourner de temps en temps votre gaufrier. Pour la durée de cuisson, comptez environ 4 à 5 minutes. La gaufre de Bruxelles prend beaucoup plus de temps à cuire puisque la pâte est beaucoup plus liquide. Fiez-vous à l'œil lorsqu'elle est bien dorée et bien croustillante, c'est que la cuisson est parfaite. Vous voyez, donc étalez bien la pâte avec une petite spatule, vous aurez vraiment une gaufre rectangulaire, comme celle qu'on déguste en ville ou sur les fêtes foraines.
Voilà, avec cette quantité de pâtes, j'ai réalisé 5 belles gaufres de Bruxelles. Alors, ce sont de grosses gaufres, donc vous avez probablement moyen d'en réaliser 6 ou 7 si vous êtes un peu moins généreux. Et bien voilà, vous êtes maintenant devenu totalement incollable sur ces fameuses gaufres de Bruxelles. Un peu de sucre glace, quelques fruits frais, de la chantilly, du chocolat ou une boule de glace, c'est à vous de voir. Faites-vous plaisir, utilisez vraiment cette gaufre de Bruxelles comme un support pour votre dessert. Voilà, cette vidéo sur les gaufres de Bruxelles est terminée. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le like bouton. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine ici même pour une nouvelle recette en vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. À la semaine prochaine !